Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Driagan et on se retrouve pour les toutes nouvelles quêtes de la semaine 6. Allez, let's go. La première, c'est visiter les monolithes. Comme vous voyez, ils sont représentés sur la map. Pas besoin de vous indiquer où ils sont exactement, sinon je l'aurais fait, vous inquiétez pas. Mais là, ils sont juste aux trois coins. Chacun, ils sont dans un coin. Chacun dans une sorte de biome. Entrer dans un véhicule dans les 30 secondes après avoir atterri. Donc ça, c'est très très simple. On va pas se mentir, c'est très simple. Genre Mega City ou n'importe quelle ville qui obtient un véhicule, hein, ou les stations essence, n'importe. Inflige des dégâts des adversaires avec le pistolet à verrouillage. C'est le nouveau pistolet qui est sorti. Donc rien de compliqué. Vous visez, vous attendez que ça charge et vous tirez. Vous verrez, c'est très très simple. Faire sonner différents gongs. Donc comme vous voyez, il y en a énormément du côté de Mega City et à ses alentours. Donc vous verrez, c'est très très simple. Il suffit juste de les taper une fois, que ce soit avec la pioche ou une arme. N'importe, ça marchera. Obtenir des points de figure sur une moto. Ça c'est très facile. Je prendrai une moto qui soit là ouais, et on ira à Mega City parce qu'il y a une énorme colline qui vous permet de faire un max de points. Donc vous verrez. On y va de suite, les amis. Visiter les monolithes. Comme vous allez voir, donc ça va être très très simple. Hein. Là, ils sont indiqués sur la map. Donc, on va aller à celui qui est là. Donc, en fait, c'est tout simple. Il suffit juste d'atterrir à cet endroit. Juste d'atterrir. Vous atterrissez dans les alentours, dans la zone qu'il faut pour que la mission compte. Que la quête compte, bien sûr. Vous allez voir, on va atterrir, on y va. Dès que je vais atterrir, normalement je crois qu'on est obligé d'atterrir. Hein. Obligé d'atterrir. Voilà, le deuxième, il est ici, on s'en fout de la zone, on va vers le troisième. Voilà, les balèques, on va dans la zone, balestec. Et le troisième monolithe est juste ici. Voilà. Voilà, bah, on a terminé cette quête. Entrer dans un véhicule dans les 30 secondes après avoir atterri. Il y en a Mega City, mais moi, ma valeur sûre, c'est le circuit. Le circuit, il y en a plein. De toute façon, c'est Mega City, les circuits, à peu près sur certaines routes. Il y en a dans les stations essence, il y a plein. De toute façon, c'est un véhicule. Hein. Ce sont camions, motos, voitures, ce que vous voulez. On va prendre ça, on atterrit. Et voilà. Ça a marché. Allez, passons à la suivante. Alors, infliger des dégâts. Alors déjà, on va essayer de trouver l'arme. Est-ce qu'on va la trouver du premier coup? Est-ce qu'on va la trouver du premier coup? Du premier coup, non. Bah, pour l'instant, on l'a pas. Là. Là, c'est bon. Vous voyez, c'est celle-là. Vous voyez, on verrouille. On verrouille. Et on tire. Mais, par contre, il faut attendre que les 3-4 barres apparaissent. Voilà. Oui, c'est tout simple. Il faudrait qu'on ait réussi à en tuer un autre. Il faudrait qu'on en tue un autre pour valider cette quête.
Là, je crois qu'il y en a un qui va monter. Oh, on lui a fait mal dans la tête. Ah non, bon, là, la quête est validée, non? C'est bon, c'est validé. C'est nickel. Ensuite, faire sonner différents gongs. Alors, vous voyez, regardez, il y a deux gongs en bas. Dans cette zone, on va prendre le sabre. Vous allez voir, ça va être très rapide. Vous prenez le sabre. Si on a du bouclier, vous vous en mettez si vous en trouvez. Sinon, vous allez ici, vous prenez le sabre. Vous voyez, regardez, il y a deux gongs. Même, bah, je vois qu'un adversaire le fait. Toi, dégage, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon truc. Oula, ça va me faire très mal. Nickel. Donc, je suis vivant. On va aller voir le troisième gong. Vous suivez le même chemin que moi. Vous en avez deux. Et le troisième, juste là-bas, vers la petite arène. Je crois qu'ils appellent ça les arènes. Les petites arènes ou les cercles de combat, je sais plus. Voilà. La quête est validée. Nickel. Ensuite, de nouveau, on va. Moi, j'aime bien aller ici, donc le circuit. Vous allez au circuit. Et vous allez voir, là-bas, derrière moi, il y a une énorme montagne. Vous avez juste à faire deux fois le saut. Voire une fois si vous faites une bonne figure. Et vous gagnez. Vous allez voir. On prend une moto. Et on va monter. Alors, c'est pas cette montagne-là, c'est une montagne juste après. Vous allez voir. Voilà, regardez, celle-là. Bah, genre comme la colline du Roi Lion. Oh merde, je vais me gameler, je pense. Ouais, comme par hasard. Voilà. On monte, hein. Utilisez la nitro, hein. Enfin le boost, quoi, ça vous... Vous aurez le temps de faire les deux allées. Ah, mais... C'est très bizarre à contrôler les motos, hein. En même temps, avec une moto, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est dans la logique des choses que c'est comme ça. Vous allez là, vous foncez et vous faites des figures. Regardez. Comme ça. Une petite figure. Voilà. La deuxième figure, mais j'en fais des vrais. Regardez les compteurs. 94 000, les amis. Donc voilà, les amis. C'était les solutions de la quête de la semaine 6. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao.